Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je vous propose de faire une séance HIIT, donc c'est tout le corps, full body. Bonjour gastro, ça merci pour le crack, j'ai vu le clip là, merci. Ouais, super, merci. Donc je vous propose en fait de faire un. Donc on va faire un HIIT, tout le corps, HIIT full body. Il y aura différents exercices, je vais vous les présenter après. On commencera par une petite séance d'échauffement comme d'habitude. Et ensuite on fera une petite séance pour muscler nos jambes et nos fessiers. Ouais, bonjour Bigfoot. C'est les hypas, ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Donc, du coup, on va commencer. D'abord, je vous montre les premiers exercices. Alors, j'ai fait exprès de vous garder le premier exercice. Comme ça, vous allez le garder comme référence au niveau du HIIT. Bonjour, Bigfoot. Alors, le premier exercice, ça va être le mountain climber. Comme ça, mountain climber croisé cette fois-ci. On l'a fait la dernière séance. Mais du coup, on va se garder en référentiel pour toute cette semaine. Et comme ça, vous verrez sur les 30 secondes, si entre mardi et samedi, si vous arrivez à tenir les 30 secondes. Donc je vous remontre comment on fait. Donc vous avez la jambe gauche qui va vers la jambe droite, vers le bras droit, et jambe droite qui va vers le bras gauche. Et on essaie d'aller le plus rapidement possible. Ça sera le premier exercice. Deuxième exercice. Donc là on sera, ça s'appelle le air squat. Salut Maya. Ouais, merci Gastro. Ouais, c'est moi. Donc le air squat, on sera tout simplement en position de squat. Donc soit vous choisissez de faire le squat jambes plus ouvertes en fait, du coup vous travaillez plus vos fessiers, ou soit vous restez ici, ça fait vous travaillez plus les quadriceps devant. Donc voilà, donc le air squat, c'est simplement vous sautez sur la pointe des pieds. Si vous ne pouvez pas sauter, vous ne sautez pas, juste vous montez et vous descendez. D'accord? Donc vous faites un squat, soit vous décidez de le faire jambes largeur d'épaule, du coup vous travaillez les jambes devant, ou soit vous faites plus écarté, les pieds vers l'extérieur, hein, les genoux aussi, et du coup, vous travaillez plus le fessier. Donc vous choisissez, ou sinon vous sautez. Donc avec moi, enfin moi je vais sauter, donc du coup si vous voulez sauter, vous sautez. Le air squat. Troisième exercice, donc on va récupérer un peu, parce que vous allez voir que les deux premiers ça va être sympa. Vous le connaissez également, j'ai juste rajouté une petite variante à la fin, donc du coup on descend en squat, on avance, et cette fois-ci, hop, on va faire une pompe. Donc si vous ne pouvez pas faire la pompe sur la pointe des pieds, vous vous mettez sur les genoux, et vous faites votre pompe. Donc bras écartés, comme ça on travaille les pecs. Ensuite, quatrième exercice, ce qu'on appelle le demi-burpee, enfin ce que j'appelle le demi-burpee, je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Donc normalement quand on fait un burpee, on descend, on jette les jambes, on les ramène et on saute. Donc là en fait on va se mettre en position au sol, vous allez avoir vos mains ici, et le but va être de ramener les pieds à côté des mains. D'accord? Donc du coup ça donne à peu près, c'est genre comme si on faisait un crapaud en fait. Donc si vous ne pouvez pas sauter, donc vous êtes dans cette position, vous faites ça, jambe droite, jambe gauche, et vous recommencez. Hop, jambe droite, jambe gauche, tout simplement. D'accord? Donc ça sera le demi-burpee. Tu me dis Gastro s'il y a des exos que tu vois qui vont être trop compliqués, mais je pense que tu vas plus nous rejoindre pour la jambe, pour la partie muscu. Je pense. Bonjour Stradivarius. Donc du coup le cinquième on va récupérer un peu, c'est simplement le skieur en fait, on va simplement faire ça pendant 30 secondes. Du coup vous pouvez prendre des poids si vous voulez, moi je prendrai des poids, sinon vous faites au poids de corps. Sixième exercice, donc là vous allez voir il est un petit peu dur le HIIT, enfin un petit peu dur, de toute façon vous faites à votre allure. Hein. Sixième exercice c'est le Spiderman, hop, donc on est au sol et le but va être, enfin le but va être en fait de faire droite-gauche. Hop. Donc avec le saut, si vous ne pouvez pas le faire avec le saut, vous faites l'un après l'autre. Voilà, ça sera sans saut. Et le dernier, on va récupérer sur la fin du circuit. Donc la marche de l'ours, donc ce exercice qui est génial. Du coup, on se met sur la pointe des pieds, les genoux près du sol, et on avancera et on reculera. Donc là, du coup, vous avez des exercices que vous connaissez déjà pour la plupart. Et c'est un bon moyen en fait de vous repérer en fait par rapport à ce que vous faisiez avant et là maintenant en fait ce que vous réussissez à faire. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de commencer. Donc on est toujours sur 7 exercices par circuit. On va faire 4 circuits.
Et puis, bah, écoutez, on va commencer par l'échauffement. Et je vous expliquerai après les exercices jambes fessiers. Voilà, bon, donc allez-y, mettez votre musique. Moi, du coup, je vais mettre la mienne. Ça y est, j'ai enfin le petit d'oreille. Et on est parti. Alors, attendez, je vais lancer le chrono. Donc, comme d'habitude, ça dure 23 minutes avec 5 minutes d'exercice, d'échauffement. Alors, on est parti. Attendez, je retrouve juste mon truc. Voilà, c'est parti. Et le début, vous savez, on s'étire. Ok, on passe sur les côtés. Donc là, c'est toujours le principe de réveiller le corps, de lui dire, ah, tu vas travailler un petit peu. Donc on y va. On reste 10 secondes comme ça. Donc droite, gauche, hein, tout simplement. Ensuite, on va faire des petits rebonds sur le côté. Petit rebond et là on va travailler tout ce qui est articulation. Donc nouvel exercice, très bien, vous vous arrêtez, vous levez votre jambe, attention les hanches ne bougent pas et là le but en fait c'est de faire travailler cette articulation devant. Donc vous ouvrez la jambe tout simplement, vous la ramenez et on va faire ça 5 fois de chaque côté. Donc on ouvre la jambe et attention de ne pas partir trop en arrière, juste un tout petit peu, on le fait encore 4 fois. 2, on lève, 2, attention le bassin ne bouge pas, 3, hein. On reste bien stable pour que ce soit bien l'articulation qui travaille, 3, 4, 4, et on va passer à 5. Très bien, donc on continue à travailler l'articulation du bas. Donc vous descendez en squat, on avance et on fait une pompe. Vous pouvez vous mettre sur les genoux si vous n'arrivez pas à être sur la pointe des pieds. Et on refait encore 4 fois. On descend. On refait la pompe. On remonte. Donc celui-ci on l'aura aussi tout à l'heure en exercice pendant le hit. Mais il faudra maintenir le gainage. Là on ne monte pas, maintenir le gainage. Quoiqu'on est un peu obligé quand on fait la pompe. Encore 2. On descend. On pompe, on monte, et encore un dernier. Donc normalement ça va commencer à chauffer pour vous, enfin pour vous, pour moi aussi. Hein. Ok, et on continue. Donc là on va, comme d'habitude, là je pense que vous commencez à connaître les exercices. Donc on va, donc là on va s'occuper de notre petite colonne vertébrale. On va se mettre à genoux. Donc on va d'abord faire celui-ci en premier. Donc celui-ci, attention, le but, c'est pas que vous étirez le muscle. Donc vous allez tout doucement dans le mouvement. Vous, en fait, vous avancez votre genou, le buste aussi. Et en fait, on va juste essayer de... C'est l'articulation hein, qui nous intéresse. Donc vous avancez un tout petit peu, mais attention à ne pas trop tirer ici. Vous avancez tout doucement. Voilà, on fait ça 10 secondes, à peine. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, vous sentez bien que c'est en bas, que ça travaille, et pas, pas le muscle ici que vous tirez derrière. Très bien, on va toujours dans cette position-là, et on va venir ouvrir. Donc on va venir enrouler la main en dessous du genou, et on y va. On va faire 5 fois de chaque côté, et on déroule la colonne vertébrale. Et avec votre main, vous suivez bien, avec votre regard, vous suivez bien votre main. Donc là, ça va faire 2, 3, 4, 5, très bien, on fait pareil de l'autre côté, il faudrait le faire 10 fois en fait, enfin une dizaine de fois quand même, on va continuer, parce que le dos c'est quand même hyper méga important, donc on continue, encore 5 fois, allez, on reste toujours du même côté, 2, il nous en reste 3, il va nous en rester 2, et le dernier. C'est bon, on est parti pour l'autre côté. J'ai pas mon téléphone du coup. Hop. Je vous garde des secondes pour les jumping jacks. Du coup, je maintenant, bah, les jumping jacks, c'est bien. Je vous les mets pas pendant le hit parce qu'on le fait juste avant. Du coup, on fait la même chose avec cette jambe-là. La jambe de l'autre côté. Et on y va 10 fois. 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2. Donc le premier exercice, je vous rappelle, c'est monter le clipper croisé. Donc le genou droit va vers le pied, le genou droit va vers la main gauche et la jambe gauche va vers la main droite. Donc ce sera votre premier exercice. Et donc on est parti. Donc vous avez, on a 45 secondes. Donc vous pouvez commencer à courir sur place pendant 15 secondes et on va terminer avec des jumping jacks pendant les 30 dernières secondes qui nous restent pour l'entraînement. Et après on enchaîne avec les exercices. Donc premier exercice, il faudra se mettre directement au sol. Très bien, il nous reste 30 secondes. Et donc là, non, pendant ces 30 secondes, jumping jack, je vous remontre comment on fait. Donc soit vous cherchez à aller plus bas pour travailler les fessiers, mais nous on veut juste aller vite. Et si vous ne pouvez pas, juste vous faites droite, gauche, droite, gauche. Allez, c'est parti. Il va vous rester 20 secondes. Et après, on commence le hip. J'espère que vous êtes prêts. 10 secondes. 8, 7, 5, 4, 3. Et on est parti au sol. Donc je vous remontre. On croise les jambes des deux côtés. Donc on essaye de tenir les 30 secondes et d'aller le plus vite possible. Là on travaille les abdominaux. Et la cardio, bien évidemment. Donc il va vous rester. J'ai pas mon téléphone. Allez, 7 secondes. Très bien. On y va. Repos. Alors, deuxième exercice, c'est le air squat. Donc, vous choisissez si, le air squat. C'est-à-dire, vous êtes comme ça. Si vous ne pouvez pas sauter, juste vous montez, vous descendez. Et si vous voulez vraiment travailler que le devant, vous restez dans cette position-là. C'est parti. 30 secondes. 14 secondes. Alors, si ça devient trop dur au niveau de là, ce qui est normal, vous vous arrêtez 2 secondes et vous repartez. Et vous allez habituer à chaque fois vos muscles. Repos. Troisième exercice, on descend en squat, on maintient le gainage et pompe. Les bras, les largeurs d'épaule, la poitrine entre les deux mains, si on veut bien faire la pompe. Et si vous ne pouvez pas être sur la pointe des pieds, vous mettez sous les genoux. Allez, c'est parti, 30 secondes. On est en position debout. Et on est parti. Bon, ça craque, c'est bien. C'est pour réveiller tout ça. 2. Donc, on monte. 3. Voilà, le premier. Généralement, j'en fais 4, après je passe à 6. Avec la pompe, je pense que 4, c'est déjà bien. Il vous reste 5 secondes. Donc soit vous remontez. C'est bon, repos. Quatrième exercice, le demi-burpee. On met ses mains là, les pieds sont en arrière et on vient les ramener à côté des mains. Si vous ne pouvez pas sauter, l'un après l'autre. D'accord? Et du coup, ça va ressembler un petit peu au Spider-Man si vous ne pouvez pas sauter. Et on est parti. Allez. Mais essayez de le faire parce que du coup vous êtes en appui sur les mains. Même si vous n'en faites pas beaucoup, essayez de le faire. Il vous reste 7 secondes. 3. Allez, on fait le dernier. Un repos. Donc le cinquième, vous allez récupérer un petit peu. Donc c'est le skieur. Du coup, j'ai pas mes haltères. Alors le skieur, c'est comme ça. On court simplement pendant 30 secondes sur place et on fait comme si on skiait. Du coup, j'ai pas mis les bons poids. Mais écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez prendre des poids si vous voulez, en fait, dans l'exercice un petit peu plus intense. Mais c'est pas beaucoup plus intense. Hein. Et là, c'est 10 secondes. 7. 4. C'est bon. Stop. Repos. Sixième exercice, donc là du coup c'est Spider-Man, hein, celui-ci, hop, ah, attendez, donc là on fait
ressemble pas à l'autre. Vous avez vos mains ici, vos pieds sont là, et vous ramenez le pied droit à côté de la main droite, si vous voulez pas sauter, et pareil de l'autre côté. D'accord? C'est comme ce qu'on a fait en fait à l'échauffement. Et pour les autres, si vous pouvez sauter, ben, il faut faire ça. Ok? Allez, c'est parti, 30 secondes. Donc là, on fait attention à ses articulations. Et on peut bien s'aider des mains. Il va vous rester 10 secondes. C'est dur. Allez, encore 5 secondes. 2. Et on fait le dernier. Repos. Et le dernier, bon, il est cool. La marche de l'ours. On est sur les mains. Les genoux proches du sol. On est sur la pointe des pieds et on avance et on recule. Pendant 30 secondes. Alors, s'il y en a qui ne veulent pas avancer ou marcher, en fait, là, c'est un exercice de gainage. Si vous voulez rester sur place, vous restez sur place. Mais vous allez voir, c'est encore plus dur. Il va vous rester 7 secondes. Et le premier circuit sera terminé. Repos. Bah oui, c'est très bon. C'est peut-être un peu dur au début, mais du coup, ça passe hyper vite. Allez, je vous laisse 20 secondes et on enchaîne sur le deuxième circuit. Ok, bon, tout le monde est au travail, c'est cool. Parce qu'il n'y a personne qui parle sur le chat, c'est bien. Donc, premier exercice, je vous rappelle, on était une levée croisée. On est reparti dans 10 secondes. Hop là. Bon, il fait chaud du coup. Mais tant que vous ne voyez pas moucher, c'est que la cardio n'est pas encore engagée. Donc, elle n'est pas encore à fond. Allez, on est au sol et on y va pour 30 secondes. On croise les jambes. On essaye de tenir. Et si vous ne tenez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire une pause et vous reprenez. Il vous reste 8 secondes. Allez. 4. 3. On fait les derniers. Repos. Donc deuxième exercice, le air squat. Vous sautez ou sinon vous ne sautez pas. Vous montez, vous descendez. Et on est parti pour 30 secondes. C'est parti. Ça pose dur, bah oui, t'as vu, il n'y a personne qui part sur le chat. C'est bien, on continue. Il vous reste. Je vous dis pas parce qu'on n'a pas encore dépassé les. Donc on monte, on descend. Donc si vous ne pouvez pas sauter, hein, vous faites sur place, hein, tout simplement. Et si vous voulez faire travailler plus le devant, vous vous mettez en squat, comme ça. Il vous reste 3 secondes. Repos. Troisième exercice, on descend en squat. On avance, on gaine et on fait la pompe. Et on est parti dans... Maintenant, enfin des fois je me mets debout. Allez, c'est parti. Et si vous ne pouvez pas être sur la pointe des pieds pour faire la pompe, vous mettez sur les genoux. N'oubliez pas de contracter ses abdominaux. Allez, normalement c'est 4. 3. Il vous reste 6 secondes. On fait le dernier. On remonte. Repos 10 secondes. Donc on va attaquer le demi-barpie. Hop. Donc c'est celui-ci. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites l'un après l'autre. D'accord? Allez, c'est parti, 30 secondes. Je suis déjà soulevée. Allez, c'est parti. Donc on essaye de ramener les talons, hein, de revenir sur les talons. Il vous reste 14 secondes. 10. 7. Allez. On fait encore. Oups là. On se fait partir en avant. On en fait encore. Et balance les derniers. C'est bon. Tu fais partir en avant. Ça peut se dire merci. Alors attendez. Framboise Chantilly. Oh, c'est pas mal comme surnom. Bonjour Framboise Chantilly, 17e. Salut. Tu vas bien? Alors du coup, 3 secondes de repos et on va enchaîner avec le skieur. Donc je vous rappelle, c'est comme ceci. Allez, c'est parti, 30 secondes.
J'ai pas mes poids. Bon, pour ceux qui sont un peu plus confirmés, vous pouvez mettre aussi des poids aux jambes, aux bras. Voilà, on peut rajouter du poids comme on veut. Comme on veut. Il vous reste 10 secondes. 8. Vous continuez. Yes. Ah, merci à la communauté. Merci de prendre soin des nouveaux. Allez, il reste 4 secondes et on va. Donc là, on va être avec le Spider-Man. Je vous remontre. Comme ça, avec saut. Ou sinon, vous faites sans saut. Allez, c'est parti, 30 secondes. Si vous faites le saut, vous faites attention de ne pas y aller trop fort pour vos articulations. Allez. Il vous reste 12 secondes. Et du coup, j'arrive pas à ramener à côté de mes mains. Ouais. Tant pis, je recherche la 4-2. Si c'est pas bien fait, tant pis. Il va rester 8 secondes. Et on va terminer avec le dernier exercice. Merci, oui. J'ai fait mon fit. Ah, t'as fait ton fit ce matin. Ouais, là c'est fin de journée. Du coup, vous avancez. Je vous rappelle que les genoux restent proches du sol selon l'exercice. Il n'a aucun intérêt. Si vous êtes en haut, ça sert à rien. Et on contracte les abdominaux. Et pareil, si vous voulez rester sur place, vous contractez les abdominaux et vous faites en fait un gainage. Allez, il va rester 5 secondes. On termine, on reste bien sur la pointe des pieds, les genoux proches du sol. Et repos, on a fini le deuxième circuit. Donc tu as fait un HIIT ce matin. Tu l'as fait toute seule ou tu fais avec d'autres personnes? On a fini le deuxième circuit, il n'en reste plus que deux. Allez, ça veut dire 9 minutes d'effort, on peut le faire. Eh bien écoutez, il va vous rester bientôt 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. Donc on se met au sol pour gagner un peu de temps, bien faire nos 30 secondes d'exercice. Et on est parti pour le mountain climbers croisé. Allez, c'est parti, 30 secondes. Et on essaie d'aller le plus vite possible. Et si on ne tient pas des 30, c'est pas grave. Allez, il vous reste 10 secondes. Les 10 dernières secondes. 7, 6, 5. Ah non, non, il faut encore 3, 4 montées. Repos. 10 secondes de repos. Ah, t'as une salle de muscu, la chance. Oh là là, moi j'ai juste un petit peu de matériel du coup. J'ai un petit peu de matériel, donc tu peux faire un petit peu. Bon, mais c'est trop bien, la chance, grave. Ah bah Bigfoot, il est d'accord. Putain, trop bien. Du coup, bah, on enchaîne dans le deuxième exercice, le air squat. Donc toujours pareil, hein. Si vous voulez pas sauter, ne sautez pas. Si vous voulez faire jambes serrées pour faire travailler plus les jambes, vous faites jambes serrées. Moi, je le fais pour faire travailler les fessiers. Il va vous rester 10 secondes. Allez, on tient. 8. 5, 3, allez, on fait le dernier. Repos. 10 secondes et on va enchaîner avec le squat gainage pompe. Ok. On y va. Squat. On gaine et on fait la pompe. On remonte. Si on ne peut pas sur la pointe des pieds, on se met sur les genoux. Je descends pas assez pour la pompe, je sais pas si vous avez remarqué, mais je descends un petit peu plus. Tant pis. Voilà. 3. Je recommence à retrouver un petit peu mes bras. Donc du coup les pompes là, ça va un peu mieux. Il y a du travail encore. Très bien, pause. On va attaquer demi-burpee. De ta friteuse. Ah bah si, attends, c'est pas. Donc du coup, tu sais pourquoi tu fais de l'exercice, c'est bien. Ouais, j'ai même pas le banc, tu sais, en fait, le matériel que j'ai, c'est juste le matériel qui est derrière, en fait. J'ai des tapis,
J'ai haltères, bon c'est toujours ça, hein. Et des poids pour les jambes. Comment je peux travailler mes jambes et le fessier? Mais c'est vrai que le banc, c'est hyper pratique. Et j'aimerais bien, tu sais, la barre longue, mais droite, bon, elle est un petit peu incurvée, donc des fois c'est un peu embêtant, quoi. Donc t'étais accompagnée de ta friteuse. Au moins t'as une friteuse gastro, moi j'ai même pas de friteuse. J'ai même pas le temps de regarder pour la air fryer. Allez, on continue. Donc là on est sur le demi-burpee. Celui-ci, on ramène bien les jambes à côté des mains. Allez, on y va. 30 secondes. Du coup, il vous reste 20 parce que je pars en même temps. Je vous ai fait cadeau de 10 secondes. Allez, on essaie d'aller le plus vite possible. Je passe les 3 circuits. Il ne restera plus que 1. Et on sera bien. Repos. Skieur. Vous prenez des poids si vous voulez, sinon pas de poids. Donc le skieur, on fait juste ça pendant 30 secondes. Ça nous permet de récupérer un peu. Et c'est parti, 30 secondes. Donc j'espère que vous avez votre musique. Donc maintenant, je mets ma musique dans l'oreille. C'est trop bien. Il reste 10 secondes. Allez, on y va. Les 10 dernières secondes. 5. 2. 1. Repos. Le suivant, c'est le Spider-Man. Je vous le montre. Donc c'est celui-ci avec saut. Si vous ne sautez pas, vous faites l'un après l'autre. Et on est parti maintenant. C'est parti. Ah, bah du coup, ça tombe. Voilà. Je dis que c'est dans mon arrêt pour que ça tombe. Allez, vous continuez. Il restait 15 secondes, j'aurais pas pu faire l'exercice. Problème technologie. Allez, vous continuez. Hein. Il vous reste 10 secondes. 5. Là, on fait les derniers. On est bon. Repos. Et on passe à la marche de l'ours. Et nous avons fini le troisième circuit. Ah, ça passe trop vite, c'est trop bien. On y va en position. Genoux près du sol et on avance. On recule. Et pour ceux qui veulent rester sur place, maintenir les gainages, vous pouvez rester sur place. Il vous reste 10 secondes. Allez, 2 secondes, c'est bon. Vous pouvez poser. On a fini le troisième circuit, il va nous rester. Allez, 4 minutes. Donc là, c'est bon, je me mouche. Donc on est bien au niveau de la cardio. Ouais, j'ai les kettlebells. J'en ai une de. Attends, j'en ai ouais, une de 6 et une de 10. J'en avais une deuxième de 6, mais du coup, elle n'est pas. Ouais, j'ai quand même un petit peu de matériel. Donc du coup, heureusement, ça fait que je peux faire mon sport comme la salle. Bah, la salle, je pense qu'on va pas la revoir avant je sais pas combien de temps. Les décathlons, tout est fermé. Du coup, heureusement, j'ai déjà un petit matériel en fait. Ouais, je peux faire plein de trucs. Ouais, je suis contente. Franchement, heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que du coup, si je restais au poids de corps, là, ça m'aurait grave vénère. Comme, bah, tu sais, comme à la salle. Bah, à la salle, je mets beaucoup plus, hein. Ça m'aurait bien énervé là pendant le confinement, j'ai pas le poids qu'il faut quoi. Et après là, je t'avoue, je suis à 20 pour le fessier, mais à la salle je suis à plus, mais du coup je suis avec en fait. Tant pis, la salle on verra ça plus tard, en tout cas on augmentera les poids plus tard, dès que Décathlon et tout ça pourront réouvrir. Parce que la salle je pense qu'on la reverra pas avant longtemps. Au pire, chat. Mon chat, mon petit chat, il fait... Allez, il est 6 kilos. Mais t'as raison, il est bien gros. Hein. Il va se pointer tout à l'heure. Donc, framboise, tu devrais... framboise chantilly, tu vas peut-être voir le chat dans pas très longtemps. Effectivement, lui, en fait, on peut le prendre pour faire de la muscu. Allez, on est parti pour le dernier circuit. On est au sol. Montez une clean bar croisée. Et go, c'est parti. 30 secondes. Donc, c'est le dernier circuit. Donc, on donne tout. Allez, 4 minutes, le temps de musique, une musique que vous aimez à fond, et on y va. Et il va vous rester 12 secondes. Et 5 secondes,
Deuxième solaire squat. Donc soit vous ne sautez pas, vous choisissez. On est parti, 30 secondes. Vous pouvez vous aider des mains quand vous sautez. Donc si vous voulez faire travailler plus les jambes, vous rapprochez vos jambes. Et vous faire travailler plus le devant. Bon, même comme ça, on travaille le devant en fait. Hein. Il vous reste 10 secondes. Donc si ça brûle un peu, vous vous arrêtez et vous reprenez. 2 secondes. Repos. Bien. Ouais, normal, il va se planter. Mais quand on fera la muscu. On est parti pour le troisième exercice. On descend en squat. On gagne, c'est-à-dire qu'on contracte. Et on fait... Ça pompe. On remonte. Si on ne peut pas faire sur la pointe des pieds, on le fait sur les genoux. 2. 3. Et on va faire la dernière. 4. Donc 4, c'est bien. Donc la pompe, c'est bien. Si vous êtes à 2 ou 3, c'est déjà très bien aussi. Quatrième exercice, le demi-burpee. Hop, on a les mains ici et on ramène les jambes à côté. C'est parti, 30 secondes. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites une jambe après l'autre. Mais essayez de faire l'exercice, même 1 ou 2, 3. Petit à petit, vous habituez votre corps. Allez, on y va. On revient bien sur les talons. Il va vous rester 10 secondes. Allez, on y va. 8. 7. 6. 5, 4, 3, non, je vous ai menti, repos. Tu prends des BCA, non, BCA, non, c'est quoi? C'est les acides aminés, c'est ça? Ouais, j'ai déjà commencé à, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai commencé à regarder, lire des articles, mais je t'avoue, pour l'instant, je suis pas encore motivée pour... Je sais que c'est utile pour récupérer après l'entraînement. Mais oui, effectivement, je vais commencer à regarder. Il faut que je me renseigne un peu plus. Du coup, on est parti pour le cinquième exercice. C'est le skieur. On récupère un peu. Allez-y, récupérez. Du synthol, maman. Gastro, si tu t'injectes du synthol, on est mal barré, on va venir te voir à l'hôpital. Allez, reste 3 secondes. Et du coup, ça te donne de l'énergie. Je rigole. Bonjour, Macnose. Bonjour, Macnose. Allez, on termine le sixième exercice. On termine, il me reste 2 exercices. Allez, c'est parti. Le Spider-Man. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites l'un après l'autre. Droite. Gauche. Et on y va. Il reste 15 secondes. On donne tout parce qu'après on a juste un exercice de gainage, donc le cadeau est terminé. Allez, on y va. 8 secondes. 3. On fait les derniers. Très bien. Allez, le dernier exercice de gainage. Je suis gentille, dernier exercice, on se calme à chaque fois. On est bien. Allez, on est parti dans 2 secondes. C'est parti. Genoux près du sol. Et on y va, on marche d'avant en arrière. Et les genoux restent proches du sol. Hein. Contractez vos abdominaux ici pour que l'exercice soit encore plus intéressant. Et on y va. Il vous reste 10 secondes. Allez, c'est les derniers 10 secondes d'effort. Et après, on fait des exercices sympas pour les fessiers. Et les jambes. C'est terminé! Bravo à vous! Je suis essoufflée. En même temps, il fait hyper chaud, genre, je suis hyper dégoulinante. Favorise l'hypertrophie en massage et aussi ça évite le catabolisme. Moi, du coup, je suis pas en prise de masse. L'hypertrophie, attends, faut que je ne vous confonde pas les termes. Et ça évite le catabolisme. Catabolisme, c'est. Mince, en plus, je suis en moment.
Je sais plus, tu peux me dire, je sais plus en fait. C'est dans le pot d'échappement. C'est bien, Gastro. Je suis sûre que t'es en train de t'entraîner là. À faire des blagues et tout, ouais, je suis pas sûre. catabolisme, si j'avais vu ce que c'était, je sais plus. Je vais regarder, je vais noter en fait. Comme quand je fais mes trucs cuisine, je note et après je regarde. Alors attends, catabolisme, des BCA, ça je sais que j'allais bientôt regarder. Alors catabolisme. B, C, A, on va essayer d'acide aminé. Et du coup, phase du métabolisme qui comprend le processus de dégradation des composés organiques. Anabolisme, c'est le contraire de catabolisme. Alors, donc du coup, oui, voilà, exactement, on se repose un peu, Stradivarius. l'hypertrophie, hein, c'est ça. Alors, le catabolisme, du coup, si on parle du catabolisme, est-ce qu'on parlerait pas un peu des courbatures ou des choses comme ça? Ouais, tu étais presque, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais du coup, en fait, ça, c'est bon. Ouais, quand tu fais par rapport au HIIT. Hein. Mais du coup, tu sais, j'essaye de garder une proportion de musculation qui est quand même plus importante que la cardio. Comme ça, du coup, je garde mes muscles. Et du coup, en fait, je fonds plus. Hein. C'est plus la graisse que je perds. Et du coup, j'arrive à garder mes muscles. Je sais pas comment je fais, mais en tout cas, j'arrive à les garder. Donc, je suis de plus en plus dessinée. Mais tu vois, sans prendre de BCAA et sans rien du tout, hein. Ouais, je prends pas du tout BCAA. Et c'est, tu sais, c'est vraiment par rapport à la nourriture, c'est par rapport à ce que je mange qui fait que mes muscles ils se maintiennent en fait. Et ils ont grossi là depuis un an en fait, mes muscles ont énormément grossi. Du coup, on poussait les veines, donc du coup on voit mes veines quoi. Bon, il y a la graisse aussi qui a un peu disparu, mais du coup ça va. T'as quel âge en fait? J'ai 32. bonsoir, Biftanel. Alors, d'accord, ok, je sais. Moi, je conserve mon foie. T'as bien raison, Gastro. Tu sais que pour ton foie, tu peux prendre un petit peu de citron. Tu presses un verre de jus de citron le matin avec un petit peu d'eau. Et bon, tu bois avec une paille hein, pour éviter d'abîmer les dents. Du coup, ça fait énormément du bien au foie. Et il y a le lait d'or aussi, je vais vous en parler. Il faudra que je le fasse au prochain stream. Ouais, je comprends. Ouais, moi, tu m'étonnes. Ben, on est parti pour les jambes fessiers. Je vais vous expliquer les différents exercices. Donc le premier, vous le connaissez, c'est mon favori. Voilà, toujours double sumo. On partira pour 20. Moi, je vais rester sur 20. Vous pouvez monter si vous voulez monter à 25. Si vous montez vos poids, restez à 20. Par contre, si vous gardez les mêmes poids que la dernière fois et que vous étiez plutôt à l'aise, vous pouvez monter à 25. Du coup, les jambes, les pieds sont bien vers l'extérieur, les genoux aussi. Et donc, je vous rappelle, on descend en premier, on pousse les fesses. On pousse les fesses, on descend et ensuite on pousse avec les talons et on contracte. D'accord? Donc je vous montre le mouvement. Hop, on pousse avec les fesses, on revient et on contracte. Donc ça sera le sumo, le premier. Le deuxième, il vous faudra un tapis. Et au deuxième exercice, moi je vais commencer à mettre mes poids, des lestes aux chevilles. Donc si vous avez des lestes, vous pouvez les mettre. Je vous montre l'exercice. Non, c'est pas tout de suite. C'est après le tapis. Alors, donc là, si vous avez une bouteille d'eau ou un poids avec vous, donc là, on va travailler sur une jambe. On va travailler en fait l'équilibre et en travaillant notre équilibre, en fait, on va essayer de bloquer, en fait, on va bloquer notre fessier et il va beaucoup plus travailler. D'accord? Donc en fait, c'est ce qui s'appelle le deadlift, on va en faire 20 de ce côté, de la jambe droite. Donc c'est comme si vous glissiez quelque chose le long de votre jambe. D'accord? Le dos il reste bien droit, il suit le mouvement. Et là votre buste est penché par rapport au sol. Et vos yeux regardent le sol. Surtout pas, vous ne levez pas la tête, sinon vous pouvez vous faire mal au dos. Donc on descend comme ça. Si vous avez une bouteille d'eau, vous la faites glisser le long de votre jambe. Et on remonte. D'accord? On fait ça 20 fois. Jambe droite, jambe gauche. Ça c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, on sera allongé au sol.
40? Ah bah t'es pas sympa toi! Grave! Bah ouais, tu m'étonnes! Ouais, tu te bannes toi-même! Carrément, t'es. Alors, du coup, troisième exercice en allongé au sol. Donc, ça sera le rôle des bassins, mais du coup, on n'aura pas de poids. Moi, j'aurai des poids aux pieds. Vous, si vous voulez mettre un petit halter, mais pas trop lourd, parce que du coup, en fait, on ne va pas lever le fessier les deux en même temps. On aura une jambe levée et on va lever le fessier. Donc là, du coup, au niveau du poids, ne mettez pas trop. Donc moi, j'aurai juste des lestes aux pieds. Et on montera comme ça 20 fois. On fera jambe droite et jambe gauche. D'accord? Ça, c'est le quatrième exercice. Le cinquième. Donc toujours, si vous avez des poids, vous les garderez. En fait, j'ai fait en sorte que les poids, en fait, on les utilise qu'à la fin. Donc là, on va travailler l'adduction. Donc du coup, en fait, le but va être de, ici, vous restez stable, vous ne bougez pas. Et en fait, vous allez lever la jambe. Et on va faire 30 répétitions. Là, on sera à 30 pour celui-là. D'accord? Donc si vous avez des poids, n'hésitez pas, vous allez voir, ça va faire bien travailler à l'intérieur. Et on fera pareil de l'autre côté. Mais attention, on reste bien droit. On ne bouge pas, cette jambe, elle reste stable. Ok? Et le dernier exercice, on sera allongé sur le côté. Donc là, c'est le... à la table. Pareil, on aura toujours nos poids. Hop. Et on a déjà fait cet exercice normalement. Donc, on va plier la jambe à 90 degrés. Non, c'est tout de suite. Celle-ci. La jambe gauche va être pliée. On aura la jambe droite en dessous et on va venir lever. Comme ça. Et on va faire 20 répétitions. Si vous avez des lestes, vous allez voir les 20 répétitions, c'est largement suffisant. Donc, il faudra juste monter un tout petit peu de manière à faire travailler les adducteurs. Ici, l'intérieur de la cuisse. Voilà, donc on travaillera le fessier et les jambes. Voilà le programme. Tiens, plus que tu ne crois à 40. Ouais, bah écoute, hein. Laisse-moi le temps. Alors, on est parti pour le premier. Sur vos squats, vous prenez vos poids. Et on est parti pour 20 répétitions. Donc 25, si vous avez senti que vous étiez à l'aise la dernière fois. Ou sinon, bah écoutez, moi je reste à 20 et on est parti. Allez, go. Les fesses en premier, on pousse avec les talons et on contracte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, ouh, elle a encore 5, oula, 16, 17, 18, plus que 2, 19 et 20. Là, c'est dur à la fin. Donc là, vous prenez votre bouteille d'eau ou un petit poids, ce que vous avez. Et on va travailler l'équilibre sur une jambe. Du coup, ça va faire bien travailler le fessier. Allez, go, c'est parti. Donc, on commence jambe droite. Donc, on fait glisser le long de la jambe. Le dos suit le mouvement. Et hop, on pousse en appuyant, on remonte en poussant sur le talon pour bien faire travailler le fessier derrière. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moi je fais mon équilibre, c'est pas grave, vous pouvez poser le pied là, récupérer, hein. 12, 13, 14, 15, 16, donc là normalement ça commence à brûler, en tout cas moi ça commence à brûler. 17, 18, 19 et 20. On fait pareil de l'autre côté. Je vais juste me moucher. Allez, c'est parti, on en fait 20 de l'autre côté aussi. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, donc toujours hein, la jambe gauche, je suis beaucoup moins stable que la jambe droite. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, plus que 3, 18, 19 et 20. Très bien, donc là ça va être le moment, si vous avez des lestes, vous pouvez les mettre. On va les garder pour tous les derniers exercices. En fait, il y a 3 exercices, mais comme on fait sur chaque jambe, du coup ça prend un petit peu plus de temps. Donc allez-y, mettez vos lestes, je vais mettre les miens. Hop là. Allez, c'est parti. Go, go, go. Ok. Donc si vous n'arrivez pas à faire les 20, mais qu'au bout de 15, vous avez très 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 mal, vous arrêtez au bout de 15. Hein. Donc là, ça va être le relevé de bassin sur une jambe. On va commencer avec la jambe droite. Donc ceux qui veulent rajouter un petit poids sur les hanches, vous pouvez. Mais si vous avez des, voilà, si vous n'avez pas de lest, vous pouvez mettre un petit poids sur les hanches. Par contre, si vous avez des lest, ce n'est peut-être pas utile. Déjà, faites avec les lestes et vous voyez. Bon, désolé, ça ne fait pas combien de temps. C'est bon, elle va être prête. Allez, je bloque celui-là. On met celui-là. Et du coup, si vous n'avez pas de poids, vous faites au poids de corps. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Tous les exercices, vous pouvez les faire au poids de corps. Et c'est parti. Allez, go. Et on en fait... donc là, on va commencer 20 de chaque côté. Vous allez voir, ça va piquer au bout d'un moment. Surtout si vous avez mis des lestes ou si vous mettez un poids. Donc du coup, on lève le fessier. Donc je rappelle qu'on est sur les talons quand vous remontez. Oui, vous restez sur les talons pendant tout le long de l'exercice. Et on lève la jambe droite et on descend et on monte. Et vous contractez le fessier quand vous arrivez en haut. Et c'est parti pour 20. Vous allez à votre allure. Hein. Allez, c'est parti. 20. 2. 3. 4. Donc on pousse bien avec les talons quand on remonte. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je me replace, 15, et voilà le chat qui passe, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien, vous changez de jambe, on change de jambe. Salut pépé, ça va? Allez, on y va. Toujours, on est sur le talon. Et on y va, on monte, on descend. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, plus que 5, 16, 17, je l'attends dans la face, 18, 19 et 20. Donc là, je n'ai pas du tout bien positionné. Voilà. Là, je m'en rapproche. Tu veux sortir bébé? Alors, on va se mettre debout pour le prochain. Attendez, je chante de musique parce que là, j'avais juste envie de... C'est pas très important. Alors, on est debout. Toujours, vous pouvez garder vos lestes. Si vous n'avez pas de lestes, c'est pas grave, vous continuez. Attendez, je fais un petit tour sur le chat. Je te vois arriver avec mon âge. T'es légèrement courbée au niveau du dos selon l'exercice que tu fais. C'est bas ou haut, pas beaucoup. Ma, faut que tu gagnes abdos. Ouais, mais en fait, je suis vachement encombrée. Ouais, ouais, je sais. Et du coup, bah, en fait, je suis vachement cambrée. Donc, du coup, en fait, t'as fait un espèce de, tu sais, bah, d'arc.
remet comme ça, en fait, du coup, ouais, c'est vrai que, bah, en fait, ouais, je ne sais pas quoi te dire. Après, du coup, je me suis jamais blessée, hein. Ça va. Du coup, on continue sur le quatrième exercice. Donc là, vous restez bien stable. Du coup, j'avais pas pensé à gainer. Je regarderai pour gainer. Deuxième circuit, je le ferai. Donc vous êtes sur votre jambe gauche, on reste stable et on vient faire 30 répétitions. Vous en faites 30 et du coup on travaille l'abduction pour bien travailler en fait tout le fessier. Très bien, non plus que les flèches. Hein? Que des excuses. Tu m'étonnes. Allez, c'est parti. Non, je vais essayer sur le deuxième circuit. Hein. On y va. 2, on en fait 30. Hein. 3, et on reste bien stable. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Donc normalement vous allez sentir l'intérieur de votre jambe et ensuite on travaille aussi le petit, le moyen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors encore 10. Donc normalement ça va, il est plutôt simple cet exercice. C'est plutôt un exercice voilà, sympa à faire. Qui demande pas trop. 5, 4, je suis plus très stable. 3, 2, 1, et c'est bon, terminé. On fait pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'espère que ça commence à chauffer pour vous, hein. 15, 16, avec l'aise c'est quand même plus simple, hein. C'est plus simple pour que ça chauffe, hein. 18, 19, donc on est bien en équilibre sur celle-ci, hein. 20, 21, 22, et Gastro, t'es sûr que tu bosses là? Je trouve que tu discutes trop, 24, 25, 26, 27, 28, attention, 29 et 30. Donc là, on a fini avec celui-ci. Vas-y, vas-y, tu veux sortir. Vous vous allongez au sol? C'est un chien American style. Ouais. Allez, donc vous allongez au sol. Du coup, si vous avez les poids, vous gardez les poids. La jambe gauche vient par-dessus la jambe droite et ensuite on va lever la jambe à l'intérieur. Donc comme si vous avez des lestes, 20 répétitions, 20 montées, ça sera amplement suffisant. Vous allez voir au bout d'un moment ça va tirer en fait sur le muscle à l'intérieur. Si vous n'avez pas de poids, ben vous le faites sans poids. Par contre, vous pouvez en faire 30. Si vous n'avez pas de poids, vous en faites 30. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, je reste pour ceux qui n'ont pas de poids, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est bon, vous pouvez passer avec nous sur l'autre jambe. Donc pareil, là c'est la jambe droite qui est sur la jambe gauche. Et du coup, on vient lever la jambe gauche. On y va, on en fait 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On aura fini le premier circuit. 17, 18, 19 et 20. Donc vous avez vu, à chaque fois j'en fais, ça dure un peu plus longtemps parce que du coup, comme on a les deux jambes à travailler, c'est plus long que les abdos ou quelque chose. Ok, bon, on y va pour le deuxième circuit. Donc je reprends, c'est sumo squat et après on fera le deadlift. Vous pouvez enlever vos lestes et on est parti. Vous prenez votre halter pour faire le sumo. Donc je rappelle que le sumo, on pousse les fesses en premier, on monte en poussant ses talons. Désolé pour les scratchs. Et on est parti, on en fait 20,
Oula, c'est en train de partir. Voilà, c'est bon. On va essayer de pas taper le carrelage parce que j'ai tapé le carrelage tout à l'heure. Hein, on va essayer. La photo du chat au bas avec ses. Ben oui, c'est mon petit chat. Qui m'encourage à chaque fois que je fais du sport, qui passe et qui, voilà, qui me dit tiens, hein. Moi je fais rien. Allez, on est parti. Du coup, je vous rappelle, les pieds sont vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. Quand on descend, vous descendez vos fesses en premier et ensuite on remonte en contractant, en poussant sur les talons et en contractant le fessier. Allez, c'est parti, on en fait 20. Go. 1. 2. 3. Là, j'ai mal fait. Allez. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop là, 13, ça devient trop bien. Au secours. Allez, on y va. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bouh, c'est plus dur que la dernière fois, c'est bizarre, pourtant c'est même point. On passe au deadlift. Donc vous prenez votre bouteille d'eau, ou sinon rien du tout. Ah, je ne vous ai pas montré rien du tout. Donc en fait, juste vous restez sur une jambe et du coup, ouais, là ça va être plus compliqué au niveau d'équilibre. Donc on monte et on descend. Parce que du coup, je ne vais pas montrer sans rien. Ça fait travailler l'arrière. Mais quand même, prenez quelque chose d'un poids parce que c'est quand même plus efficace si vous avez quelque chose d'un petit peu plus lourd. Une bouteille d'eau ou voilà, enfin un truc un petit peu lourd. Allez, on est parti. Jambe droite, on en fait 20. Bon, je rappelle que le buste suit le mouvement et vous regardez le sol. On lève surtout pas la tête. 4, 5, 6, et c'est comme si on faisait glisser quelque chose. 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 1, 3, 2, 1, et on fait le dernier. On fait la même chose de l'autre côté, du coup il faut que je me bouche. Désolée, c'est pas très classe. Allez, c'est parti, on fait la même chose de l'autre côté, on en fait 20. Allez, go. 1, 2, on descend, on remonte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on va faire le décompte à l'envers, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez le dernier, 1, et allez le 0, le 0, très bien, donc là on va passer, vous allez pouvoir mettre vos lestes si vous en avez, il attendait, si si, en fait il a un tout petit espace, il arrive tu sais à se faufiler, bébé. Ah bah ça y est, il est parti dans la cuisine, il arrive à se... je vais ouvrir un tout petit peu, et il arrive à, tu sais, à se... je sais pas comment il fait là, d'ailleurs, même quand il s'aplatit en fait, tu sais, pour rentrer en dessous des meubles, il s'aplatit, je sais pas comment il fait. Il écarte ses jambes et puis il est complètement dire une crêpe, alors qu'il est énorme. Ouais, c'est bon. Allez, vous mettez vos lestes, et du coup, en fait, j'ai pas pensé, mais si vous avez un petit step, vous pouvez vous mettre pour faire l'exercice, pour vous relever. Et du coup, je vais gainer en même temps. Je te dirai. Mais après, il y a le sit-up, je sais que j'arrive pas à faire.
Il n'y a rien à faire. Et bah, du coup, on m'a dit que c'était parce que j'étais trop cambrée. Et donc, ouais. Donc, pendant le cours, en fait, le cours, t'as 50 personnes. Tout le monde fait le sit-up, sauf moi. Là. Donc, j'ai le droit à un autre exo, mais ouais, je sais pas. Tu vois, il y a. Donc, là, je vais voir, je vais gagner. Allez. Désolée, c'est vraiment la partie en fait qui est un peu embêtante. C'est vrai qu'il ne faut que des poids de 1 ou 2 kg, mais elle délaisse. Et du coup, en fait, on est obligé de les additionner si on veut avoir un petit peu de poids sur les jambes. Vous pouvez mettre un point sur vos, ici si vous n'avez pas de lest. C'est bon, donc on est parti. Vous êtes prêts? Ça chauffe sec. Bah très bien, si ça chauffe sec, ça me va. Qu'est-ce qui te fait dire ça, pauvre chat? Bah oui, le pauvre chat. Il a l'air malheureux. Hein. Alors on y va. Donc du coup, je me mets dans ce sens-là. On est parti. Donc si vous avez un marche-pied ou quelque chose comme ça, vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en vous mettant en hauteur. Moi, je vais rester comme ça, déjà avec les 3 kg, ça ira très bien. Donc du coup, je gagne. Ok? On y va. On y va. Donc on est sur le talon, on monte, on descend. 2, 3. Du coup, framboise, là, c'est bon ou pas? 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, il faut là, normalement, vous devez bien sentir l'arrêt de vos fesses. 15, 16, 17, 18, allez, 19. Et le dernier, 20. On change de chambre. On change de jambe. On articule aussi, surtout. On est parti pour 20. Donc on est toujours sur le talon, hein, et on lève la jambe et on y va. On monte, on descend. Donc là du coup je gagne. 1, 2, 3, 4, 5. Quand je finis, je vais voir si tu m'as répondu. 6, hop là, allez, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, encore 3, 18, 19 et 20. Ouais. Et maintenant, on va nous rester sur le côté, donc on peut se mettre debout, mettez-vous debout. Ouais, là ça va, ok, ça marche, merci. Bonjour à Kounir. C'est Rocky là. Ça fait combien de temps que tu fais du fit? Ça fait un an maintenant. Un an. Alors avant j'avais fait, tu sais, différentes phases. C'est Maëlle. Salut. Salut Maëlle. Salut Arkounir. Ouais, je porte des poids aux jambes. Bah oui. Ouais, ça fait un an. Mais vraiment, hein, je me suis vraiment bien mis. Après, j'ai toujours fait des phases, tu sais, j'ai fait Sonia Clève, des choses comme ça et tout. Ouais, c'était bien, mais sans plus. Et là, ça fait, là, on est au mois de mars, ça fait un an que je suis inscrite à la salle depuis un an et demi, et ça fait un an que je suis à différents cours à la salle, dont le body sculpt, qui est hyper bien. Et du coup, en fait, c'est un peu, tu sais, sur le crossfit. Et en fait, du coup, je suis devenue une fan de la salle et j'y suis carrément, je crois, 5 ou 12, enfin, j'étais 4, enfin, lundi, mardi, le jeudi, le samedi. Donc, du coup, j'y étais 4 fois par semaine, mais à chaque fois, je faisais 2 cours, tu vois. Et ouais, là, je me suis mise à fond. Donc, ouais, ça fait un an, je suis vraiment à fond, à fond. Et j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, hein, si c'est ça qui est telle belle. Bah, pour l'instant, j'ai que 6 et 10. On n'est pas en janvier. Bonjour Ezoïs. Ouais,
Ouais, cool. En fait, c'est le rééquilibrage alimentaire. Donc, je sais pas si tu parles par rapport aux muscles ou je sais pas, parce que t'as l'air un peu surprise ou surpris. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire qui a fait que je suis plus musclée. Ça a commencé déjà l'été dernier, puis là, bah, j'essaye d'entretenir en fait. Alors, hop, on continue. Donc, on en va 30 sous les côtés. On reste stable sur la jambe et on y va. Allez, go. 30. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Et donc, du coup, en fait, ouais, j'aime beaucoup le HIIT et donc le cours là que je kiffe à la salle. Donc, ça s'appelait Bodyscule. Après, ils ont changé en je sais plus trop quoi. Et donc, il a montré plein d'exercices de CrossFit. Enfin, il a montré un peu ce que c'était le principe et tout. Et depuis, bah, j'aime bien. Et puis aussi, il faisait des petits trucs de HIIT et de AMRAP et des espèces de WOD en fait, et du coup, en fait, je me suis un peu calée sur ça là depuis que je fais mon sport, bah, depuis le confinement en tout cas. Enfin, voilà. J'ai repris le système du HIIT et j'en fais aussi le week-end. Enfin, j'en faisais avant de faire la salle, je faisais aussi des HIIT à la maison. Enfin, bref, voilà. Bref, on y va, mais oui, ça fait que depuis un an vraiment que je me suis mise à fond. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on y va. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je regarde le chat. Vous continuez. 16, 17, 18. Cool. Le fessier est bien travaillé. Les abdos plutôt bien. CrossFit, c'est bien. Ouais, CrossFit, c'est bien, ouais. Ouais, grave. Allez, je fais les 10 derniers. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, on va terminer sur le dernier exercice. Le HIIT, c'est cool. Ouais, le HIIT, c'est bien parce que ça passe hyper vite. Et gastro. Gastro, tu bosses, t'es sûr? Ouais, c'est bien. C'est bien, gastro. Ouais, ça passe hyper vite. T'as plein d'exercices différents. Donc, du coup, en fait, ça te permet de pas trop t'ennuyer. Comparé à, tu sais, quand tu vas courir, quand tu fais ta course et tout pendant une demi-heure, bon, il y en a qui kiffent courir, moi je déteste ça. Même à la salle, en fait, tu sais, quand j'étais sur les tapis, moi, je faisais des sprints. En fait, à un sort de hit, je sprint genre 30 secondes hyper hyper vite et après je récupère 30 secondes. Donc je faisais ça. Alors on y va, 30, 20 par jambe là cette fois-ci si vous avez des lestes. 30 si vous n'avez pas de lestes. Ça va, mon bébé. Voilà, je vous présente mon chat qui s'incruste à chaque fois. Il n'est pas sorti hier avec le mixeur, du coup. Est-ce que j'ai utilisé le mixeur d'ailleurs hier? 2, 3, 4. De l'autre côté, on est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien, donc on a fini le deuxième circuit. Donc désolé, c'est un petit peu long parce que c'est chaque jour qu'on travaille. On est reparti sur le dernier circuit. Donc vous enlevez vos lestes. Désolée pour les scratchs. Voilà, je fais vite comme ça fait. Hop là, voilà, s'enlever. Et s'enlever. Ok. Bon, bah, allez, c'est parti. Donc là, du coup, vous prenez votre poids, position de sumo. Donc, je vous rappelle, on pousse avec les fesses. Hop, on descend. Enfin, du coup, on va descendre. Et on pousse avec les talons. Normalement, ça fait un espèce de mouvement de balancier. Et ensuite, on contracte les fessiers. Enfin, voilà, c'est un espèce de mouvement derrière, devant. Ok, c'est parti. On en fait 20. 25 si vous êtes plutôt à l'aise. Après, si vous êtes trop à l'aise, il faut augmenter les poids. Le but, c'est pas de dépasser 20. Enfin, 20, 25 à la rigueur. Si vous en faites 40, ça sert à rien. Montez les poids. Même si on peut pas trop en ce moment. Désolée, je vous dis ça, mais on peut pas en ce moment. Allez, on y va. Donc, on écarte plus large que les épaules. Et on est parti, on en fait 20. On descend les fesses en premier. 1. 2.
C'est dur, hein? Ouais, celui-là, aujourd'hui, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10. Donc là, je pourrais enlever un poids, histoire que ce soit plus léger, mais non, allez, on continue. Encore 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, plus que 4, 4, 3, c'est dur, hein? Wow! 2, 1, oh, j'ai plus de force, je croyais que je vais pas faire 0, je fais pas le 0, j'ai tout donné là. La dernière fois, c'était pas aussi dur. Bon, c'est pas grave. Ok, on y va pour le deadlift. Ouais, mais ce mouvement, en fait, c'est... tu sais, même j'avais regardé les crossfitters. Et en fait, ce mouvement, c'est là où tu travailles vraiment l'arrière des fesses. Ici. Et donc, t'es obligé de faire ce mouvement-là pour vraiment travailler derrière. Parce que sinon, si tu montes, tu descends. En fait, tu ne sollicites pas au maximum le grand fessier. Et donc, du coup, ouais, tu te fais des programmes sur 4 jours. Ouais, bah, moi, c'est sur la semaine, en fait. Je fais 3 séances avec bah, vous en stream. Et dimanche, ouais, je marche un peu. Tu vois, je fais des trucs où je me repose un peu. Ouais. Et donc, du coup, essaye de refaire le mouvement. Tu vois, tu te mets bien jambes écartées. Tu pousses les fesses en arrière. Et après, avec les talons, tu fais un espèce de mouvement. Tu vas sentir ici. Que ça durcit en fait. Enfin, ça devient hyper dur. Contrairement à quand tu fais juste un squat et que tu montes. Essaye, tu me dis. Du coup, on y va pour la suite. Hein. La suite, c'est le deadlift. On y va. Allez, sur une jambe. On y va. 20 de chaque côté. 1. On fait glisser. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez encore 9, c'est le dernier circuit, hein. 8, on aura fait une bonne séance aujourd'hui, hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, on fait le 1 et on fait le 0. Allez, on fait les 20 suivants. Bah après, ouais, tu sais, on est à l'aise en fonction, je suis d'accord, tu sais, c'est en fonction de comment on est à l'aise sur le mouvement et tout. Après, t'en as plein qui disent, ouais, faut faire ci, faut faire ça. Bah voilà. Moi, je sais que ça fonctionne bien. Voilà, chacun fait son truc, du coup. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Après, je suis pas prof, hein, donc j'ai pas envie de m'avancer sur des bêtises et tout. Moi, c'est des trucs que j'ai vu, que j'ai entendu, tu sais, à la salle. Des trucs comme ça pendant les cours. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, plus que 3, 3, on y va, 2, 1, et 0, voilà, donc le deadlift c'est bon, maintenant on va finir qu'avec les poids. Avec les lestes, pardon, les poids, on va les laisser de côté. Moi, je fais du lever de coude, ma spécialité. C'est ah bon. Attends, c'est quoi C'est quoi le lever de coude? Alors, du coup, on y va, on met les lestes. Mais c'est les biceps. Tu travailles les biceps, c'est ça?
va terminer avec trois derniers exercices, et du coup, ouais, ça va être un petit peu long parce qu'on va faire 20 de chaque côté, mais voilà, on fait chaque jambe en fait. Allez, hop là. Oh, désolée pour les scratchs, j'ai pas trop le choix. Ça va, bébé? Oui. Tu fais un bisou? Attends, je prends mon corps. Et on est parti, donc celui-ci c'est le relevé de bassin sur une jambe. On est parti, on en fait 20 de chaque côté, on est sur la pointe des pieds. En tout cas pour la jambe qui reste au sol. Et on est parti pour 20 de chaque côté. Go! On descend, on monte et on en fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, je me replace, 11, 12, 13, 14, 15, allez, plus que 5, 5, 4, 3, 2, 1, et le dernier, 0 qui compte toujours, allez, l'autre jambe maintenant, c'est parti, on est toujours sur la pointe, mais en fait on est sur le talon, hein. On lève la jambe et on y va, on monte, on descend, on en fait 20, 1, donc je rappelle que s'il y en a qui veulent mettre des poids sur leur ventre, ils peuvent, hein. 3, 4 pour un exercice plus difficile. 5, 6, et si vous n'avez pas de matériel, vous faites au poids de corps. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le 0, il compte, allez, et 0, c'est bon, on passe debout, jambe droite, la coupette quoi, la coupette, oui, bah oui, la coupette, ouais, tout à l'heure, là on croit dire qu'on a fait une bonne séance pour mériter la coupette, ouais, allez, c'est parti, jambe droite, on est bien stable sur la jambe gauche et on y va. On ouvre et on travaille l'intérieur des jambes, des cuisses. 4, on en fait 30. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 19, 20, normalement vous devez sentir que ça chauffe ici, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, le dernier, on y va de l'autre côté, il est sympa celui-là, hein, il est bien, hein. 1, 2, 3, par contre, bah là, je suis moins stable sur la jambe de droite, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 12, 13, c'est dur, 14, 15, 16, 17, 18, là ça commence à brûler, hein. Je sais pas pour vous, mais allez, il en reste 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bon on va bien s'étirer, enfin ouais, en même temps les étirements vont pas nous éviter les courbatures, mais 26, 27, 28, allez, les deux derniers, 29 et 30, yes! Et on fait dernier exercice. Allez, dernier exercice et on aura terminé. Prenez les petits étirements.
Donc on a allongé jambe gauche sur la jambe droite et on va venir lever la jambe droite, celle qui est bloquée juste en dessous. On va la lever 20 fois si vous avez des laisses, ça suffit amplement. Peut-être 30 si vous ne ressentez pas grand chose, mais là on est toujours en train de travailler l'intérieur des cuisses. Donc normalement, voilà, si vous devriez sentir, si vous avez des laisses, c'est bon. Et sinon, au poids de corps, vous en faites 30. Du coup, ça fait un peu beaucoup, mais bon, comme on n'a pas le choix, vous n'avez pas de lestes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on fait les zéros. Voilà. Allez, les derniers de l'autre côté. Et nous aurons terminé. Vous allez être contents parce que là, du coup, on a vraiment bien bossé. Un coup. On y va. On en fait 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On y va. 5. 4, 3, 2, 1, 0, terminé. Donc la séance est terminée, on va s'échauffer un petit peu, on va s'étirer un petit peu, les différentes parties. Donc je vous propose d'enlever vos lestes, j'ai plein de petits trous parce qu'il y a mes lestes qui sont trouées, du coup j'en ai un peu partout, hein. J'ai un peu semé. Alors on y va. Donc désolé pour les scratchs, dernière fois, hop là. Donc on va s'étirer, du coup bah, je vous propose, donc après l'étirement, je vous souhaiterais une bonne soirée. non c'est pas ça, je voulais vous dire que demain, donc demain matin 10h en cuisine, voilà pour ceux que ça intéresse. Et du coup on est sur un menu qui est plutôt, bah, toujours en protéiné, mais là cette fois-ci ce sera des crevettes. Donc du coup c'est pas veggie entièrement. C'est mercredi, veggie. Et là, du coup, le vendredi, bah, là, on fait viande ou poisson. Voilà. Donc, tous les retrouve en cuisine demain. Et il y aura un petit dessert qui sera bien calorique. Et pas forcément avec tous les ingrédients healthy dont je vous parle à chaque fois. Mais il sera très, très bon. Donc, demain matin, vers les coups de 10h, n'hésitez pas à venir. Et en plus, j'ai plus de temps pour discuter avec vous. Parce que là, quand je fais le sport, c'est un peu plus compliqué. Donc, venez me tenir compagnie avec plaisir. alors, attends. Ce sont mes exercices préférés, Jean Fessier. Ah bah écoute, génial. Trop contente. De A à Z, donc super contente. Bah écoute, nickel. Franchement, je suis trop contente. C'est cool. J'aime bien que vous aimez bien les séances et tout, c'est cool. Ouais, le chat is back. Super dac. Ah, bah cool, alors votre envoi gentil, tu me retrouves demain. Oh, merci, bah, Gastro, t'es gentil. Bravo, Stradivarius. T'es trop gentil, Gastro. Bravo, Gastro aussi, toi aussi, t'as fait le job. Ouais, regardez là, le ouais pour le dessert. Ouais, 1h30 quand même, hein. Grave. On a bien travaillé, hein, franchement. Hein. Bah, en tout cas, un beau boulot à tout le monde, hein. Bravo, super. Puis on va continuer comme ça. Donc, du coup, samedi, ça sera, on fait hit, on s'occupera du haut du corps. Donc là, toujours, ça sera un travail avec les haltères. Il vous faudra des haltères ou des bouteilles d'eau. Voilà. Donc du coup, bah, écoutez, bah, je suis contente. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Ouais, si je viens du Covid, je viens voir. Ouais, vivement que enfin, qu'on soit débarrassé, comme mon Dieu. On va complètement changer notre manière de... Voilà, d'être dans la rue, de tout. Là. Bon, lundi, il y a Macron qui nous dit un petit peu comment il voit un petit... je sais pas s'il va nous parler du déconfinement. Mais il y a Hidalgo, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas la maire de Paris, apparemment, elle propose de faire. Elle a proposé certaines choses. Donc je crois qu'il y a tous les maires qui sont en train de réfléchir. Enfin bref, on verra bien. Hein.
Tant mieux. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que voilà, que vous avez été contente de la séance. Pas cette... Ah, cette idiote. Tu m'étonnes. Donc voilà, bon bah écoutez, on verra bien ce que notre cher président nous dira lundi. En tout cas, en attendant, je vous retrouve demain, vendredi, pour un petit menu. Donc vous verrez en fait. Et gastro, donc l'ingrédient que tu as imposé, c'est demain. Demain, je vous prépare quelque chose. Donc demain, ça va pas être, ça va être healthy, hein, parce que les produits vont être bien, mais ça va être, ça va faire un petit peu grossir. Voilà. Donc je vous dis à demain. Ouais, ça marche. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée, bravo à tous. Ouais, samedi, ça marche, pas de soucis. Très bien, bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Salut. Bise, à demain et merci.